On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. Regarde. L'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là? Soyons prudents. Tombe pas. Ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, Lucas! Mais... qu'est-ce qui leur prend? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens. Quand on a fui la maison avec Hugo, quelque chose s'en est pris aux gardes. Je crois que... c'est grâce à eux qu'on s'en est sorti ce jour-là. Je vois. Ça doit être un des premiers lieux d'émergence. Mais leur comportement est pour le moins étrange. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. C'est chez moi ici! Vous entendez? Chez moi! Encore des rats. Le domaine est droit devant. Lucas, l'âme de mère. Elle écrivait ses lettres ici avant de les envoyer par pigeon. Je peux pas le laisser là. Elle y tenait beaucoup. Je crois qu'elle serait touchée que tu le gardes. Là, une porte. Oh, fermée. Il y a une chaîne de l'autre côté. Attends. La lanterne! Ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Bonne idée. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. Prête! C'est parti. Tu peux avancer. Tu me lâches pas, hein? Je m'en sortirai pas ici sans toi. Système. J'y suis. N'oublie pas. Merci. Lucas, on n'est pas seul. Oh. Un garde. Il est encore en vie. Quelqu'un. À l'aide. Les rats. Toi, dis-moi. Combien vous êtes ici? J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Aie pitié de moi. Pitié? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Bon, je peux rien tirer de lui.
Il a eu son compte. Missia. Hé, t'es encore là? Hé, réponds-moi. Il y en a un autre. Salaud. Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai vengé les miens. Tu paieras pour ça. J'ai déjà payé par votre faute. Mais je refuse de perdre plus. Tu entends? On y est. Lucas, derrière cette porte. Je comprends. Je suis avec toi. Allons-y. Oh mon Dieu, est-ce que c'est réel? Ma maison. C'est un corps là-bas? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver un autre chemin. Non. Je dois voir. Que c'est ton père? Sauver la vie. On fêtera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. D'accord. Je vais nous guider. Merci. J'aurais dû l'enterrer. J'aurais dû... Désolée. Je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, faites qu'il repose en paix. Ce cadavre, celui sans armure... C'est un de nos servants. Mais attends... Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je le savais,
la brisure. Ces remous continuent de se propager dans le temps. Elle aussi? Oui, il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On y est. C'est là-haut. Monte. Je vais t'aider. J'arrive. Oh, attention. On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont vers sa chambre. Les potions pour Hugo doivent être là. Lucas, tu as vu ces pots? De simples infusions. Insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Alors, on y est? Oui, c'est la chambre d'Hugo. Allons-y. Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Oh, non, Lucas, rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte? Non, c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien? Non, tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce. Un opus magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je vois pas où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines? Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est? Dans le jardin. Allons-y. Ils s'en vont? Non, ils se rassemblent. Tu veux dire... Un chemin à droite. Oui, j'arrive. Il en vient dedans. Éclaire la pièce. Charge-toi, Dera. J'ai ouvert la voie, Amicia, on doit y aller. C'était juste. Avance. Ils peuvent revenir. Amicia, j'ai peur. Je suis là, avec toi. Allez, il faut continuer. Oh mon Dieu, c'est encore pire que ce que je pensais. Tout est mort. Là-bas, à l'autre bout. Je sais. On va y arriver. Une fleur. Intacte. Hugo ne voudrait pas qu'on la laisse là. Allez, prépare-toi à courir.
Tu peux venir. Impossible de venir, désolée. C'est bon. Tu peux venir. Je vois pas comment traverser. Ça va me simplifier la vie. C'est bon. C'est pas vrai. Regarde ça. On dirait une rivière. Une rivière de rats. C'est le seul chemin vers les thermes. Attends, le chariot. On allume le feu et on le pousse et... Non. Je l'allume et toi tu le pousses. Hein? Quoi? Moi tout seul? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure? Tu crois qu'ils vont nous laisser passer comme ça? D'accord, d'accord. Mais prépare des munitions. Parce qu'il est hors de question qu'on ait fait tout ça pour rien. Allez, Lucas, on y va. Advienne que pourra. Bon sang! Qu'est-ce que c'est? Lourd! Allez! Juste un effort! Juste un effort? J'ai passé ma vie à étudier dans une cave! Le sol vibre! Tu sens? Oui! Oui, ils arrivent! Ne les pas approcher! Écoute, si tu veux que je te passe la fronde... C'est bon. J'ai compris. Ça va vous? Je m'en occupe. Encore un. Nos vies sont guidées par le chaos. Peut-être, mais c'est moi qui tiens la fronde. Alors calme-toi et pousse. Je ferai que ça. Ils reviennent. Vite. Ça suffit. Vous ne nous arrêtez pas. Tu tiens coup? J'ai mal aux jambes. On approche. Accroche-toi. Je fais tout ce que je peux. La lumière là-bas. Les thermes. On y est presque, Lucas. Amicia, je réfléchis. Et je crois que... De quoi, Lucas? Toutes ces... attaques. C'est pas trop le moment, là. C'est parce que... On est sur la bonne... Sur la bonne voie, oui. Mais il faut encore qu'on vive jusqu'au bout. Ah!
Lucas, on l'a fait. Merci. Merci, Lucas. Tu vois, t'es sacrément costaud. Oui, mais je crois pas que je remarcherai un jour. Allez, je sais pas ce que ma mère cachait là-dessous, mais tu veux pas rater ça, hein? Ouais, ça... Non. Allons-y. Ces marches, ça me rappelle mon enfance. Tant mieux. Parce que... on va avoir besoin de tes souvenirs. Ma mère refusait que je vienne ici. Elle disait que c'était dangereux. Dangereux pour elle, sans doute. Tu n'as rien trouvé? Non. Pourtant, j'étais une sacrée fouineuse. Mais on est deux cette fois. Et toi, tu n'es plus une enfant. On va... Lucas, regarde. Ça ressemble à la morsure. Une fresque romaine. Ça pourrait être la peste de Justinien. Laurentius m'en a parlé. Un véritable massacre. Pire qu'aujourd'hui? Difficile à dire. C'était au VIe siècle. Lucas, ces termes ont été bâtis par un gouverneur romain au VIe siècle. Cette fresque n'est pas là par hasard. Et nous non plus. Amicia, si tu les coinçais de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. On va pousser ça. Coincés de l'autre côté de la lumière, on serait libre d'agir. Ça, c'est le sudatorium. C'est ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde, ces sculptures! Quoi? Des animaux alchimiques! Putréfaction, purification, amalgamation et sublimation. Et ce symbole dans le bassin, c'est aussi la putréfaction. Ces symboles me fascinaient. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures, il y a du feu là-dessous. Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Serpent, il m'a causé quelques cauchemars, celui-là. Oh, il manquait plus que ça. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et j'y vois rien. Allez, c'est parti. Et comment tu comptes faire ça? La lumière. J'attends près des bassins. Courage. C'est un long bassin d'œil. D'accord. J'avance. Tu vois quelque chose? Oui. La purification. Il reste encore un symbole. Tu approches de l'autre symbole. Continue. Je fais aussi vite que je peux. Le symbole est apparu. C'est la sublimation. Tous les bassins sont éclairés. Tu peux revenir. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Tu y es prêt? Merci, Lucas. Continue de me parler. Je sais pas. J'aurais jamais cru qu'on survivrait jusqu'ici. Je me retrouverai là. Laurentius m'a appris le monde à travers les livres. Mais la réalité, c'est autre chose, hein? C'est ça le pire. Ah! Rien de tout ça n'a l'air réel. Tu as révélé la putréfaction, la purification et la sublimation. Crapauds, cygnes, serpents sont exposés à la lumière. Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose.
Sa gueule, peut-être? Aidez-nous, mère. Vas-y. Tu as percé son secret, Amicia. Tu l'as mérité. On n'y voit rien ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles, largement supérieurs à ce qu'on a vu dans la chambre. On est sur la bonne piste. Bien. Bien. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la Macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherchait forcément ici. Mais où? À quoi ça ressemble? Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais ces marques sur son torse, Lucas. La Prima Macula. Mais cette fresque a au moins 8 siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois? Qui sait? Sanguinis itinera, les voyages du sang. La Macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. Lucas, regarde. Cristallisation avancée, couronne vert bleu, substance claire. Quoi? Lucas! Parfum d'ambre incroyable. Mais dis-moi à la fin, qu'est-ce que c'est? L'élixir pour Hugo, elle y était presque. Mais elle n'a pas eu le temps de le finir. Tu veux dire, le même élixir que tu... Oui, sans le livre. C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin. Mais alors, on peut peut-être s'en servir? Avec le livre et mes préparations, je crois... Je crois que je peux même le terminer. En tout cas, tu as l'air bien parti, Maître Lucas. Pourquoi elle m'a rien dit? J'aurais compris. J'aurais pu... Aïe! Amicia, j'aurais fait pareil à sa place. C'était une alchimiste, et puis une maman, ça protège ses enfants. Tu crois pas? Non, non, pas maintenant. Comment on va sortir d'ici? T'occupe pas de ça. Termine l'élixir. Je vais les retenir. C'est pas vrai! Pourquoi maintenant? Lucas, il faut accélérer! Je lis! Mère s'est arrêtée au pas de la porte du soleil. Elle avait trouvé le flambeau, mais pas le moyen de l'allumer. Ça n'a aucun sens! Ce sont des symboles! Elle cherchait un élément manquant, mais le livre dit: tu videras la coupe pour que l'esprit la remplisse. Béatrice se trompait! Il ne faut pas ajouter, mais retrancher! Trouve-moi du macérat pendant que je prépare le mélange. Il doit y en avoir ici. Du macérat? Qu'est-ce que c'est? Où je le trouve? La pharmacopée. L'alcôve avec le rideau. Je m'en occupe. Allez, tu calmes. Laurentius disait, tempère les battements de ton cœur, car c'est lui qui œuvre à travers tes mains. Alors, tempère-toi. Le rideau, c'est là. Alors, tu as le macérat? Je peux pas y aller. Il y a trop de rats autour. Oh, y en a trop. Il y a trop de peau, Lucas. J'y connais rien, moi. Cherche celui qui pue très fort. Mais ils puent tous. Je suis même pas sûre que mon nez fasse la différence. Oh! Oh, Seigneur!
Lydia, j'ai trouvé! Parfait, rapporte-le! Ah, ça recommence! Ils se regroupent! Pas ce bruit! Tiens bon, on y est presque! J'arrive! Pause! Allez, on va réveiller ce phénix! Doucement, arrête de trembler! Ils reviennent! Légère altération de la couleur. Bien, mais pas assez! T'avais dit que tu devais retrancher. Alors pourquoi tu rajoutes des choses dedans? Il faut ajouter pour retrancher. Le bras zéro, Amicia! Tu dois m'ouvrir un passage jusqu'aux alambics! Eh bien, soit, va pour les alambics. Amicia, ils vont étendre le brasier! Alors ça, jamais! Je sais ce que je fais. Enfin, je crois. De toute façon, c'est trop tard pour reculer. Fais attention, c'est tout. Alors d'abord, comme ça. Ensuite, chauffer le ventre de cuivre. Laisser circuler le plus dans le corps. Et allez. Et la vérité s'écoulera de la gueule. Allez, donne-moi ton alcool le plus pur. Voilà. La porte du soleil, le flambeau du porteur. Amicia, ramène-moi, tout de suite. Ici. Alors, à toi l'honneur. Lucas, tu as réussi. On a réussi. Laurentius serait fier de toi. Je suis fier de toi. En tout cas, c'est une certitude maintenant. Si l'élixir est relié au rat, ça veut dire qu'il y a un lien avec le porteur. Commençons déjà par sauver Hugo. Voilà. Ils sont là. Notre apprenti alchimiste a fait des merveilles. On a l'élixir. J'ai toujours su que t'étais un bon. Merci. Venez, allons voir Hugo. Hugo, tu dors pas? On a réussi, regarde, l'élixir. C'est Lucas qui l'a fait. Tiens, vas-y. C'est peut-être un peu amer. C'est pas grave. Bois tout d'un seul coup. C'est bien. Et je vais être guérie maintenant? Eh ben... En tout cas, tu vas aller beaucoup mieux. Amicia? Maman, on la verra vraiment plus jamais? Oh, Hugo...
Tu sais bien, elle... Elle reviendra pas. Non. Mais elle a pas mal là où elle est. Non, non, bien sûr que non. On va tous dormir maintenant, hein. Et demain, quand tu te réveilleras, ça ira beaucoup mieux, tu verras.